Alors, ce soir, nous allons, dans le 69e webinaire, parler de comment remotiver en temps de crise. Alors, au terme, vous pouvez couper vos micros. Je vais parler en termes d'une organisation tout entière, donc je vais parler au sens large, mais vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir l'adapter à des cas personnels. Tout ce qu'on peut faire en équipe, on peut le faire individuel, tout ce qu'on peut faire en individuel, il y a des choses qu'on peut faire en équipe, puisque ma spécialité, justement, c'est les interactions. Alors, que vous soyez chef d'entreprise, manager, coach, formateur, consultant, dans ce webinaire, je vais vous partager quoi? La manière de remotiver après un crash, une crise, un crash. Voilà. En ce moment, on parle de crise sanitaire. Donc, c'est comment on relance la machine. On parle de crash aussi, parce que crash, je veux dire encore quelque chose de plus important. Ça, vous pourrez le voir dans d'autres webinaires. Plus de crash. Et pour voir demain l'avenir d'une manière plus sereine. Car aujourd'hui, les gens n'ont pas de visibilité, ils ne savent pas où ils veulent et donc ils sont stressés. Aujourd'hui, la crise, on le voit, on le sent même. Quand on va dans la rue ou quand on va un petit peu à droite et à gauche, on sent qu'il n'y a pas forcément le sourire et que les gens sont un petit peu tractés et stressés. Donc, c'est de voir comment on va pouvoir changer cela. Alors, la question, c'est pour vous, qui êtes là ce soir, hein, vous êtes déjà une vingtaine, hein, c'est qu'est-ce qui a engendré cette crise qu'on est en train de vivre en ce moment, pour vous? Est-ce que c'est motivation, démotivation? Est-ce que ça a engendré du flou, de la visibilité? Est-ce que ça a engendré du stress, de la sérénité? Est-ce que ça a engendré de l'insécurité ou de la sécurité? Est-ce que ça a engendré des menaces ou des opportunités? Est-ce que ça a engendré des réponses, des questions? Voilà. Ou est-ce que ça a engendré du changement ou du maintien, peut-être dans un poste? Voilà. Donc, vous pouvez aller dans le chat et puis mettez juste les numéros. Hein, ça évite comme ça, enfin, si vous voulez mettre exactement ce que ça engendrait pour vous la crise, moi, ça me permettra un petit peu de voir un petit peu ce que ça fait. Donc, mettez juste dans le chat des numéros. Hein. C'est vrai que stress ou sérénité, il faut mettre un numéro. Donc, mettez ce que ça va s'engendrer parce que le 3, ça peut être stress ou sérénité. J'aimerais savoir si, par exemple, c'est du stress ou ça va être la sérénité. Ce que ça a engendré, cette crise que nous sommes en train de vivre. Voilà. Allez-y. Il n'y a pas de. Hein, il n'y a pas de choses. 5-4. Alors, 5-4. Menace, opportunité, c'était 3, changement, maintien, ok. Ah. Vous voyez, beaucoup de menaces peut-être. 4-7, insécurité, ouais. 7, changement, maintien. Alors, il faut préciser, j'ai dit un numéro, mais là, sur ce coup-là, comme je vous ai dit, j'aurais dû mettre deux numéros. Ça m'aurait, voilà, essayé de me préciser dans le 4, par exemple, si c'est insécurité ou sécurité. Mettez peut-être juste la première lettre. 7C, ça serait 7 changements, ou 7M, ça serait 7 maintiens, par exemple. Ça, je n'avais pas pensé, mais on ne pense pas forcément à tout. Voilà. OK. Insécurité, changement, changement et stress. OK. Insécurité, changement, donc du changement. Voilà. L'insécurité du changement. Voilà, c'est OK. 2F, le flou. Ouais. Ouais. Changement stress. Ok. Ok, insécurité, stress, changement, flou, invisible, manque de visibilité. Ok. Merci pour votre participation. Ah, ouverture ou fermeture. Tiens, j'en avais même un 8e. Ouverture ou fermeture. Qui change, enfin, qui complète. Changement et stress. Super. Alors, la question du jour, c'est pour vous, qui peut vous remotiver, vous, après une crise, après un crash? Vous remotiver d'après vous quand vous subissez vraiment quelque chose une crise qui est vraiment plus qu'un stress, c'est quelque chose de très très important. Qu'est-ce qui peut vous remotiver? On va voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous remotiver. La solidarité. Ouais. OK.
Quoi d'autre? Ah, il y a des gens qui ne savent pas forcément hein, qu'est-ce qui pourrait vous rhumatiser après quelque chose qui est vraiment paf, impactant. Reconnaissance. Ah, la reconnaissance, c'est intéressant parce que c'est pour moi le facteur des facteurs de la réussite, de la motivation. De nouvelles opportunités, ok? Le sens de l'action, une vision du futur, oui, vision d'un objectif, ok? Échange entre pairs, les réseautages, ouais. Donc le soutien, on va dire, le soutien avec d'autres personnes, ouais. Redonner du sens à la vie, donc le sens, oui, de nouvelles connexions, oui, reconstruire le futur, ok? Donc le futur, le sens, génial. Super. Alors, je vais vous parler, pour mon référentiel, du fait qu'il y aura toujours un bien après une crise. Oui, mais ce n'est pas ce qui va te remotiver. Enfin, ça veut dire qu'après la pluie, le beau temps. Okay. Je vais vous parler de 7 leviers pour remotiver, que ce soit une organisation, une équipe, un individu, suite à tous les travaux que j'ai faits depuis 12 ans et toutes mes expériences. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret que j'ai même fait un modèle là-dessus. Le premier chose, c'est quand on est en stress, c'est vraiment de caler. Parce que quand on est en stress, intérieurement, il y a du bruit. On appelle ça l'émotion, on est peut-être contracté, on est peut-être tendu et tout ça. Donc, première chose, c'est on se calme. Et donc, ça, c'est important. Pour amener les énergies, l'énergie c'est l'état d'humeur qu'on a, dans une énergie basse et positive. Voilà. Donc c'est la première chose, c'est l'état d'esprit. Encore là cet après-midi, j'étais en train de former des gens, et vraiment l'état d'esprit est revenu systématiquement. D'abord, c'est être dans un bon état d'esprit. Si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, tout ce que vous allez faire derrière, bah, ça ne peut pas marcher. Donc vraiment, calmer ça. Être dans un bon état d'esprit. Si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, de toute façon, ça va se passer. Et pour ça, c'est vraiment de pratiquer des états de présence. Alors, j'ai fait justement un post hier sur les états de présence. Qu'est-ce que ça va apporter? Parce qu'il y a que dans la présence où on peut être vraiment actif. On peut penser, on peut être centré, on peut être concentré, on peut agir, on peut prendre de bonnes décisions. C'est la présence. C'est pour ça que c'est important d'être présent et d'être calme. Dans une énergie vraiment calme. Alors oui, je t'enverrai, Vanessa, la présentation par mail, puisque vous êtes inscrits, je pense, tous par Eventbrite. Normalement, j'ai vos adresses mail, donc je vous enverrai systématiquement la présentation comme d'habitude. De toute façon, elles sont disponibles sur mon site. Mais vous l'aurez peut-être pas ce soir, mais demain ou maximum après. Voilà. La deuxième chose, une fois qu'on a calmé les esprits, pour que ce soit une personne, pour se calmer, on peut faire ça sur un groupe. La première chose, même quand il n'y a pas de crise, je calme les esprits de 100-200 personnes avant de faire, par exemple, une facilitation. C'est une première étape très importante, c'est vraiment de calmer les esprits, d'amener un esprit positif et calme. Calme, bas, un esprit, une énergie basse, d'énergie basse et positive. Ça, c'est important. La deuxième, c'est prendre le temps d'inclure les personnes. Inclure la personne, c'est-à-dire, surtout maintenant, et vous l'avez dit quelque part, c'est s'intéresser à la relation. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va trop vite dans la tâche, dans le travail. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est de prendre du temps sur la relation. Que ce soit une réunion d'une heure, ou un processus qui dure une journée, ou quelque chose d'un week-end, par exemple, sur un team building, c'est vraiment d'être dans la relation. Et prendre un temps d'inclure les personnes, pas de les intégrer, de l'inclure. Le mot est important. On a fait l'intégration, par exemple, des étrangers, et on a fait des ghettos. Voilà. Donc, c'est important. Merci, Kamal, pour ton adresse mail que j'ai bien reçue et que je t'enverrai. Je pense que tu es inscrit peut-être par un meetup.
Donc, c'est important de prendre le temps d'inclure, on appelle ça le temps d'inclusion. Et systématique, régulier, ce n'est pas inclure quand les gens ils arrivent dans une entreprise, c'est inclure systématiquement avant chaque travail. Ça peut prendre quelques minutes, mais moi, des fois, j'ai des temps d'inclusion qui durent plus de 3 heures. Sur un processus qui dure une journée, je prends 3 heures d'inclusion. Et ce qui se passe après, les gens disent c'est magique. Non, c'est parce que j'ai pris le temps d'inclure les personnes. Et bien sûr, avant, j'ai calmé, donc j'ai fait les processus pour vraiment les mettre dans un cadre d'énergie positive et basse. Donc ça, c'est important. Après, vous l'avez dit dans la petite question, c'est de donner du sens. Parce qu'aujourd'hui, la crise, en général, ça perd le sens. Les gens, ils disent, ils cherchent le sens de leur travail, ils cherchent l'utilité de leur travail, ils cherchent le sens à leur vie, et ils disent, mais quelque part, mais qu'est-ce que je fous là? Donc, c'est le sens. Le sens, c'est le facteur de réussite malheureusement, des crises et des risques psychosociaux. C'est le facteur des facteurs. Donc, le sens, il est important d'y passer du temps. Quand on est dans une crise, en général, on est un peu dans le brouillard, on ne sait plus trop où aller et on se demande si on ne fait pas fausse route. Parce que tout bouge. Donc à un moment donné, on est parti pour aller à Lyon, puis tout d'un coup, les crises, et puis en fin de compte, il faut dévier, puis peut-être aller, je ne sais pas, Saint-Pétersbourg, ou traverser la Manche, ou autre chose. Donc c'est important de redonner du sens. Ce qui est important aussi, que dans les phénomènes de crise, c'est que dans une entreprise, il y a toujours des dysfonctionnements. Donc, quand on a une croissance, quand tout va bien, ces dysfonctionnements-là, ils sont un petit peu lissés, un petit peu cachés, on ne les voit pas trop. Je vois, de toute façon, ça va pas trop mal. Mais dès qu'il y a une crise, toutes ces petites choses, bonjour Laura, tous ces petits dysfonctionnements, ils explosent. Ils prennent une ampleur. Et donc, en général, mieux traiter la crise avant que ça arrive, mais quand ça arrive, eh ben, c'est pas qu'il est trop tard, mais il y a un peu plus de boulot à faire. Quand on est en crise, vous avez un environnement qui est hyper stressant et bruyant. Et en général, on est dans l'urgence. Parce qu'on est vraiment dans la menace. Qu'est-ce qui se passe? Et quand l'environnement est bruyant, commence à regarder un peu ce que fait le voisin et les choses comme ça pour dire qu'est-ce qu'ils font et on va voir est-ce qu'on peut faire la même chose. On est en incapacité d'utiliser notre intuition. Car pour utiliser notre intuition, pour écouter les signaux faibles, il faut être dans le silence. L'intuition, c'est silencieuse. Et quand il y a du bruit, on ne peut pas notre intuition. Donc on perd énormément d'efficacité. Je peux dire aujourd'hui avec tout mon parcours que ma performance est issue de 50% de mon intuition. Donc j'ai intérêt à faire très attention à être toujours à l'écoute de mes signaux faibles. Que mes radars soient toujours en éveil. Et pour ça, c'est le premier élément que je vous ai dit, c'est d'être vraiment dans des états de présence, d'être calme. Être vraiment en énergie positive basse et de pouvoir être en capacité d'être à l'affût et de pouvoir capter justement ces signaux faibles qu'est l'intuition. Pour cela, c'est de se reconnecter à l'organisation, à l'axe intention-vision. Et aujourd'hui, quand je questionne les entreprises, je vois qu'il n'y a pas de vision. Même souvent à titre individuel, il n'y a pas de vision. Les gens ne savent pas où. Donc, c'est important, avant de mettre la machine en route, de se poser et de se dire, mais où est-ce qu'on doit aller? Parce que, fin de compte, c'est ça la vie. C'est où est-ce que je dois aller? La vision, c'est ça. Et de prendre du temps. Et je sais que ça paraît évident, mais c'est un travail qui peut faire. Et moi, je sais, quand j'accompagne des entrepreneurs, ce travail-là, pour qu'il soit bien fait, pas bien fait, parce que c'est un jugement, qu'il est temps de mûrir, voilà. Il faut entre 3 et 6 mois. C'est le temps qu'il vous faut. Mais ce temps-là, que vous prenez au départ d'un projet, va vous faire gagner des années plus tard.
Parce que vous avez une voie qui vous est tracée. Une fois que vous l'avez fait, je peux vous dire que vous avez gagné énormément de temps et vous avez créé plein de choses, notamment la différence qui fera différence par la suite. Donc ça, c'est important. La deuxième, c'est... Oui, alors le sens, c'est une direction, ce n'est pas une destination, ce n'est pas un objectif. La vision, c'est un axe comme ça. C'est dire, ben, tiens, on va aller par là. Qu'un objectif, c'est on va aller là. La direction, c'est nous allons dans, vers l'univers. Nous allons conquérir, voir l'espace. On va dans l'espace. Donc, c'est voilà, on va par là. Et un objectif, c'est on va mettre le pied sur la lune. Donc, c'est quelque chose de très concret, un objectif, alors qu'une vision, c'est précis et large à la fois. L'espace, c'est très précis, c'est l'espace, et c'est large à la fois. C'est ça une vision. Donc, c'est trouver le sens pour savoir où on va aller. Et une chose importante, c'est qu'une vision doit inspirer les gens à suivre. Pour une organisation, c'est important qu'elle existe parce que ça va inspirer les clients à acheter, ça va inspirer des collaborateurs, ça va inspirer peut-être des investisseurs, ça va inspirer des partenaires, ça peut inspirer des fournisseurs. Ça inspire tout ça. Ça inspire ce qu'on appelle les parties prenantes. Et quand une vision est grande et qu'elle inspire, eh ben vous avez les personnes que vous méritez. Donc, la vision est très importante pour donner le sens. Et souvent, je sais que j'avais une entreprise à très loin d'ici, où la direction était persuadée qu'elle avait sa vision. Et quand j'allais voir, moi, les équipes, qui alors, comment ça va? Et les managers me disaient, tu sais, Eric, en ce moment, on ne sait pas trop où on va. Et bien, quand j'entends ça, ça veut dire que la vision, soit qu'elle n'existe pas, soit qu'elle n'est pas claire, soit qu'elle n'est plus adaptée, ou soit que ce n'est peut-être pas une vision. Parce que souvent, en termes de vision, je vois que c'est des missions ou c'est une ambition. Mais ça n'a rien à voir avec une vision. Donc, c'est important de vraiment clarifier ça. Parce que la vision amène des gens. Steve Jobs l'avait bien compris, il inspirait des gens. Martin Luther King l'inspirait les gens juste sur quelques mots. Ils exprimaient avec leur trip. Voilà. Ils passaient un message. Alors que moi, j'ai vu des entreprises où, pour exprimer une vision, ils vous l'expliquent dans un manuel qui fait 50 pages. Et puis, ils ne comprenaient rien. Donc, ce n'est pas très inspirant. Donc, il y a du blabla, blabla, blabla. Mais une vision, ça peut tenir en un mot. La mienne, ma vision, c'est épanouissement. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir, moi, mon rôle, c'est les faire épanouir, leur faire passer les caps. Voilà, ça, c'est important. Et en toute sérénité, voilà. Ma vision, c'est qu'ils soient épanouis. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Et donc, la vision, ça doit être une source d'inspiration. Ça doit donner de la visibilité. Et aujourd'hui, justement, en temps de crise, il n'y en a pas. Donc là, il y a un boulot important à faire. Si vous êtes paumé, si vous demandez, si vous posez des questions, c'est là que ça se passe. Il faut définir une vision. Il faut prendre le temps et clarifier, savoir où vous voulez aller. Que ça soit titre personnel et professionnel, souvent, elles sont ce qu'on appelle alignées. Ma vision personnelle et professionnelle, c'est la même, c'est l'épanouissement. Et moi, j'ai des collègues, les gens que je forme, on voit que souvent, elle est la même, qu'elle soit personnelle, professionnelle, ou même quelque chose qu'ils ont fait dans un ancien métier, ils s'aperçoivent que la vision est la même. Voilà. Une vision en général ne change pas, c'est votre chemin de vie. Voilà. Ce qu'on appelle quelque part aussi le voyage de l'univers. Pourquoi vous êtes sur cette terre? Donc, troisièmement, le sens. Alors, je vous le donne dans l'ordre aussi qu'il faut le faire. Pas travailler le sens si vous n'avez pas travaillé. Donc, l'état d'esprit, hein, ça c'est important. Et aussi, je ne l'ai pas dit. Donc, le premier, on travaille l'état d'esprit. Le deuxième, on inclut des personnes. Si vous êtes à titre individuel, ça va passer. Mais si vous êtes en collectif, il faut inclure les personnes. Troisième étape, donner du sens. Une fois que vous avez donné du sens, vous allez travailler les valeurs. Ça veut dire quoi travailler les valeurs? C'est-à-dire incarner. Ce n'est pas juste de mettre des valeurs. C'est comment incarner les valeurs.
Quelque part, si j'ai un exemple à prendre, c'est aujourd'hui, on a des valeurs en France qui sont liberté, égalité, fraternité. Comment nous, au quotidien, on incarne la liberté, égalité et la fraternité. C'est ça. Quelle que soit la situation. Et en fonction de la situation, on va les incarner d'une manière différente. On va les incarner à travers des comportements et des actions pour qu'elles soient alignées avec la vision. Voilà. Donc les valeurs doivent être alignées avec la vision et pas que, pour que ça donne du sens et que ça donne de la cohérence vis-à-vis de tout. Développer une culture d'équipe, c'est ça. C'est avoir une vision, mettre des valeurs qui soient partagées, mais surtout qu'on les incarne. Les valeurs partagées, si moi les valeurs ne me plaisent pas, je pars. Un jour, on m'avait missionné pour quelque chose, à un moment donné, je n'étais pas bien. En fin de compte, les valeurs ne me correspondaient pas. J'étais une personne qui était chef d'entreprise. Hein. Ben, monsieur, je pense qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Pourquoi ? J'ai fait une croix sur 1000 euros, mais ça n'était pas important. De toute façon, je n'étais pas bien. Le fait que quand je lui ai dit maintenant j'arrête, ben j'étais bien. C'est un problème de valeur. Nous n'avions pas les mêmes valeurs. Parce que. Et les valeurs évoluent en fonction d'un système. Les valeurs que vous aviez peut-être pour les plus jeunes à 20 ans ne seront pas les mêmes à 40 ans, ne seront pas les mêmes à 60 ans. Vos systèmes de valeurs évoluent. Et c'est pour ça qu'on dit que les valeurs est un pivot, justement. Un pivot justement dans l'alignement. Et ça, c'est important parce qu'en fonction de la maturité d'une équipe, d'une organisation, les valeurs vont évoluer. Aujourd'hui, les valeurs évoluent, par exemple, avec toutes les tendances au niveau énergétique, au niveau du vert, au niveau de l'écologie, il y a des valeurs qui sont en train de changer. Et donc, c'est intéressant de les retravailler, déjà pour avoir des valeurs de l'entreprise, mais après de pouvoir les incarner. Et si les valeurs ne vous correspondent plus, c'est dès le départ, parce que de toute façon, vous ne serez pas bien. Donc, c'est faire vraiment un travail important dès le recrutement. J'avais quelqu'un qui était dans RH, je crois que c'était Vanessa qui était ancienne RH, c'est de travailler sur ces valeurs-là, c'est de travailler sur les soft skills. On parle beaucoup des soft skills aujourd'hui, c'est sur les capacités comportementales. Voilà. Et bien ça, c'est un super travail pour dénicher les soft skills des personnes, voir comment le faire. C'est de leur dire au recrutement, pendant le recrutement, voilà les valeurs d'entreprise. Si vous aviez ce poste-là, comment vous allez incarner les valeurs d'entreprise par rapport au poste que vous êtes venu là. Et bien là, vous allez voir que vous aurez vraiment quelque chose de profond avec les personnes. Et c'est une manière de vraiment de travailler sur ce qui est. Les soft skills, si vous dites c'est quoi vos soft skills, les gens vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Si vous mettez les valeurs en face en disant ben, comment vous allez les incarner par rapport au poste que vous êtes venu, vous avez postulé, là vous allez voir quelque chose. Et vous allez voir si c'est quelque chose, ça match par rapport à ce que vous recherchez. Et c'est une manière de travailler les soft skills justement dans votre groupe. Et puis après, justement, c'est de retravailler régulièrement. Ça permet aussi les valeurs de recadrer d'une manière très efficace quand il y a un dysfonctionnement. Donc les valeurs, c'est important. Et les valeurs, ça donne du sens. Le sens, hein, on a déjà dit, le sens, c'est important. Donc c'est pour ça que les valeurs aussi, c'est très important de travailler. Parce que si vous avez du sens, si chacun travaille par rapport aux valeurs d'entreprise, ben, je vais vous dire que les gens sont déjà dans un bon état d'esprit, ils sont déjà dans un bon environnement. Et quand on a déjà quelque chose qui est bien, et après avec les valeurs aussi, il y a le cadre, ben je peux vous dire que vous avez déjà mis des bonnes bases, et déjà les gens sont déjà motivés à faire quelque chose. La motivation, c'est à faire quelque chose. Donc s'il y a déjà une vision qui est claire, et puis que vous avez des valeurs qui vous conviennent, et que vous pouvez les incarner sans aucun problème, et ben déjà ça va pouvoir motiver les gens. En cinq, vous l'avez dit quelque part, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est, j'ai fait une étude sur plus de 300 managers, je ne sais pas combien,
J'ai eu une quinzaine de groupes, une vingtaine de groupes. Et le facteur qui apparaît tout le temps, à 100%, c'est le seul d'ailleurs, c'est la reconnaissance humaine, pas financière, humaine. Des fois, la reconnaissance financière n'a même pas été citée, à deux, trois fois. Elle n'est même pas venue en deuxième, et la reconnaissance financière, c'est le quatrième, cinquième facteur. Et puis, la reconnaissance financière, sa durée n'est environ que 3 mois. C'est comme une part de gâteau, une fois qu'on en a et puis qu'elle est digérée, et bien on a envie d'avoir une autre part. Alors que la reconnaissance humaine, il faut aussi l'alimenter, mais celle-ci coûte beaucoup moins cher et beaucoup plus puissante. Donc faire des feedbacks, ce que j'appelle motivant. J'appelle ça des feed forward. Là aussi, vous voyez un de mes posts de la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, où je vous dis les quelques étapes pour faire un feedback, un feed forward. C'est un feedback positif orienté à l'action positive. Car quand on amène du négatif, souvent on démotive. Donc, comment on peut faire des feedbacks, même sur les choses qui ne vont pas, mais en engageant les personnes à faire, non pas à démotiver, mais à faire des feedbacks sur les choses qui ne vont pas, mais à motiver à faire mieux. Voilà. C'est aussi une petite subtilité qui est intéressante. Et là aussi, quand on fait cela, ça permet aussi de chasser les non-dits, quand on fait des feedbacks, on chasse les non-dits, ça c'est important. Hein. Et puis après, on met un cadre qui instaure la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est le facteur numéro un d'après l'étude Google qui s'appelait, je veux dire, c'est un grec Aristote. Le projet Aristote, vous l'appelez projet Aristote Google, vous allez sur mon site, je pense qu'il y est, c'est le facteur numéro un. La sécurité psychologique. Vous avez parlé d'insécurité tout à l'heure. Mais vous voyez, la sécurité psychologique, c'est vraiment le facteur numéro un d'après l'étude Google qui a pris 2 ans et qui a coûté plus de 2 millions de dollars. Autre chose aussi, c'est aussi de co-construire le cadre. Quand on fait des feedbacks, on a besoin au début d'avoir vraiment un cadre construit et qui pourra justement permettre des feedbacks, quel que soit le voyage. Moi, je suis en train de former depuis 3 ans une grande banque au Maroc. Et ça permet cette pratique de faire des feedbacks, certes, à nos collaborateurs, mais aussi en transverse. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup de transverses, mais aussi de faire des feedbacks à des niveaux hiérarchiques, même très élevés, même le plus haut. Donc ça, c'est important que l'on puisse faire ça, qu'on puisse faire des feedbacks quel que soit le niveau hiérarchique. Là aussi, il y a des techniques pour être dans le respect, pour être dans la bienveillance. Et quand on fait des feedbacks, ça engage à faire. Engager à faire, ça va permettre de motiver à faire. Et ça, souvent, en ce moment, c'est important. Parce que même s'il y a du sens, mais que vous ne faites pas des feedbacks qui montrent que la personne, ce qu'elle fait, ça a du sens. Même s'il y a une vision, même s'il y a des valeurs, si elle n'a pas un retour qui, elle, la nourrit en disant bah, « Tiens, mon travail est utile, ça a du sens ce que je fais », et bien là, vous allez, en fin de compte, diminuer un petit peu, beaucoup, tout le travail que vous avez fait avant. Donc, tous ces travails-là sont importants. Le feedback, le feed-forward, ça permet justement de donner du sens. C'est une autre manière, avec la vision, avec les valeurs, de donner du sens. C'est pour moi l'outil le plus puissant qu'un manager a à sa disposition. Le feedback. Il faut avoir quelques petites techniques pour que ça se passe bien et qu'il soit de qualité. Quand vous faites ça, parce que vous allez faire des feedbacks positifs orientés action, vous allez donner de la confiance. Parce que vous allez être dans le non-jugement, vous êtes dans le respect, et vous êtes là avec l'intention de faire grandir les personnes. Donc, quelque part, vous allez croire en eux. Et quand vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui croit en vous, et bien vous êtes motivé. Quand c'est ça derrière, on ne peut pas motiver des gens, par contre, on peut leur mettre un environnement qui va, eux, intérieurement, les motiver. Quand moi, j'étais manager, on disait ben, « motive tes gars », je ne peux pas motiver les gars. Par contre, je peux faire des actions par mon comportement, mettre des choses qui soient là, un terreau fertile, pour que eux, intérieurement, ils trouvent la motivation de faire.
motivation, c'est vraiment intérieur. C'est important. Là, quand je vous donnais une prime, hein, ok, vous pensez vous motiver, mais si lui, l'argent n'en a rien à faire, ben, vous pouvez même essayer de le motiver avec l'argent, ça ne marchera pas. Par exemple, moi, l'argent n'était pas ma seule motivation. Moi, j'avais autre chose qui me faisait bouger. Après, alors ça, ça va être un petit peu plus. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est d'être dans le lâcher le contrôle. Voilà, on pourrait en discuter pas mal de temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été révélateur pour moi, notamment dans tout ce que j'ai fait dans la facilitation, c'est de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est, ça ne veut pas dire que tout le monde fasse n'importe quoi, puisque dès qu'il y a une vision, bah, tout le monde va savoir où il va. S'il n'y avait pas de vision, on lâche le contrôle, tout le monde fait n'importe quoi. Donc là, c'est l'anarchie. Là, c'est de dire, on va là, je vous laisse l'autonomie, et si vous avez besoin de moi, vous me dites, dès que vous avez une difficulté, vous m'appelez. Et pour rendre vraiment les gens autonomes, dès que vous avez quelqu'un qui est dans le contrôle et qui regarde par-dessus vos têtes, là, on voit bien avec les radars, hein. Dès qu'il y a le radar, on ralentit, puis dès que le radar, il n'est plus là, on regarde, on avance. Donc, en fin de compte, le contrôle, on peut squeezer. De toute façon, et en général, on fait les lois ou les processus dans les entreprises ou les lois dans les grands systèmes tels que les États, parce qu'il y a quelques-uns qui ont squeezé le truc. Et souvent, on pénalise 90%, 95%, 97% des gens parce qu'il y a eu quelqu'un qui essaie de squeezer. Donc, en fin de compte, on voit le problème, on pénalise le plus grand. Donc, c'est de lâcher le contrôle pour amener beaucoup d'autonomie. Et une chose aussi, parce que le contrôle complexifie les choses. On fait un contrôle, puis c'est un autre contrôle, puis c'est un autre contrôle, puis c'est un autre contrôle, et on fait souvent des usines à gaz, on fait même des contrôleurs en interne, et en fin de compte, on contrôle le contrôle. Et donc, ça complexifie le truc. Et la performance, plus c'est simple, simplifier la complexité, c'est pas facile, mais quand on simplifie, on augmente la compréhension, on diminue les non-dits, on diminue la méfiance, on augmente la confiance, enfin, ça n'a que des avantages. Et dans les entreprises libérées, on dit que le contrôle coûte cher, c'est pour ça qu'on l'enlève. Pour que le manager ne soit plus quelqu'un qui contrôle et qui soit le gendarme, mais c'est plus quelqu'un qui va faire son job en aidant les gens du terrain qui sont dans comment faire, à dire, bah, tiens, s'ils ont une difficulté, s'il leur manque quelque chose, comment je peux les aider pour qu'ils fassent bien leur boulot. Et donc, c'est quand même un petit peu plus sympa parce que le manager, là, fait vraiment son rôle de manager et n'est pas cette casquette de gendarme. Alors là, il y a des mentalités à changer là-dessus. Hein. Je vous l'accorde que ce n'est pas forcément dans l'état d'esprit d'aujourd'hui. Il y a des entreprises qui y vont. Il y en a quelques-unes déjà et ça fait déjà pas mal de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des grandes entreprises qui l'ont fait, telles que Gore-Tex, ceux qui font les maillots de sport qui transpirent, là, voilà, Gore-Tex, l'entreprise Gore, et c'est vrai qu'ils sont dans cette démarche. Ils ont même d'autres avantages, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Voilà, donc simplifier les processus, simplifier, épurer, voilà, parce qu'en plus on gagne du temps. Plus c'est simple, plus on va gagner du temps, plus on va gagner d'efficacité, moins ça va coûter cher. Et souvent on complexifie les choses, de plus en plus cher, et on perd du temps. Plus c'est simple, plus c'est rapide, plus on est flexible. Je ne vais pas dire agile, plus on est flexible. L'agilité, c'est simplifier. Et donc, c'est aussi de faire confiance aux personnes. Donc ça, c'est mon état naturel. Et donc, tu fais trop confiance. Mais je fais confiance. Et puis après, ben, une fois que je paye pour voir, mais je n'ai pas de méfiance au départ avec les équipes. Moi, je pars du principe que je vais réussir et que les gens qui sont en face sont aussi intelligents, voire même plus intelligents que moi. Et de toute façon, ça va marcher. Et souvent, les gens me disent, mais attends, tu as toujours des bonnes équipes. J'arrive le matin, il y a 100 personnes que je ne connais pas, on fait le processus et ça marche. C'est parce que j'ai cet état d'esprit-là
comme quoi je ne suis pas dans le contrôle, je suis vraiment à... Il y a la vision d'abord, il y a toutes les étapes d'abord qui ont été mises en place. Et moi, je fais confiance aux gens. Et je sais que de toute façon, les gens, ils sont prêts à faire des choses. La créativité, l'homme est capable de faire plein de choses. On a été sur la Lune et ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a eu des équipes, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé et qu'à un moment donné, ben, il y a eu cette capacité, on croit en l'homme. Et moi, j'y crois. Et après, c'est d'aligner. Le septième facteur, c'est l'alignement. L'alignement, c'est de mettre la cohérence. Et que la vision soit toujours là, que ce soit bien connue, soit bien exprimée, que derrière, il y ait des valeurs qui soient incarnées, que les missions des personnes qu'on recrute soient alignées avec la vision et les valeurs. Voilà, ça, c'est important. Les fiches de poste, hein, par exemple, il faut qu'elles aient du sens. Ne soit pas faire un copier-coller, il faut qu'elle soit mise à jour et alignée avec les valeurs, qu'elle soit aussi dans la même mouvance que la vision et que l'ambition d'entreprise. Il y a pas mal de choses. Qu'en termes de capacité aussi, ça soit aligné. Si on veut mettre de l'innovation, ben, il faut aussi à un moment donné, en termes de recrutement, on va rechercher des gens qui, en termes de soft skills, aient cette envie d'innover ou qui soient plus facilement à l'aise avec le changement, notamment. Ça, c'est aussi important. Mais pas que, il ne faut pas qu'on mette que des gens qui soient faciles au changement. Il faut de temps en temps qu'il y ait quelques personnes qui soient dans la résistance au changement pour pas qu'on aille n'importe où. Voilà. Donc, il y a toute cette diversité aussi qu'il faut prendre. Très important. Donc, l'alignement, c'est important. Et l'alignement aussi avec l'environnement. Si on fait souvent, les gens ils font un copier-coller en disant ouais, Google, il a mis des baby-foot, on a des baby-foot, puis ça ne marche pas. Parce que quelque part, ce n'est pas aligné. C'est quelque chose qu'on a piqué une entreprise, on a fait un copier-coller. Alors que moi, je dis, il faut s'inspirer de ce que font les grandes entreprises qui sont à la pointe, il faut s'en inspirer. Mais derrière, il faut co-créer avec les équipes pour que ce que vous faites au niveau de l'environnement, ça corresponde à la culture de l'entreprise, à la mouvance qu'il y a là. Si vous mettez des baby-foot et que vous n'avez que des femmes et qui ont besoin d'une crèche, par exemple, parce que c'est plus facile pour eux, et ben, vous pouvez mettre des baby-foot, ben, ça ne sert à rien. C'est un peu extrême, mais c'est pour vous donner un petit peu. C'est important d'aligner tout ça, justement, avec les missions, les stratégies, les objectifs, les compétences, les comportements, l'environnement, avec l'ensemble. Il faut que tout soit cohérent. Dès que ce n'est pas cohérent, on désaligne et le désalignement, à un moment donné, va faire qu'on va perdre un petit peu de motivation. Parce qu'à un moment donné, on va dire, bah, tiens, il y a un truc qui ne colle pas. Bon, au lieu d'être à 100 à l'heure, on va dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Là, je sens un truc, je ne sais pas trop quoi, mais on n'y est pas. Donc, c'est important d'aligner. Là aussi, j'ai un webinaire. Pour les nouveaux, hein, dans les carrés rouges, vous avez les liens sur les anciens webinaires qui traitent justement, là, par exemple, sur l'alignement. Et vous allez pouvoir aligner tout ce qui est client, non, alors d'abord, oui, client, collaborateur, fournisseur. Fournisseur, c'est important. Souvent, on dit, ouais, les fournisseurs, ils sont là. Non, fournisseur. Moi, j'avais un patron, un jour, il m'a dit, tu sais, Eric, on a autant besoin d'un client qu'un fournisseur. Et j'ai on est sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Un fournisseur, c'est aussi important parce que moi, pour vendre, j'ai besoin de mon fournisseur. Si un jour j'ai un problème, il faut que mon fournisseur il soit là. Et si je ne respecte pas, si je ne le considère pas, ben, le fournisseur, eh ben, il ne va pas me rendre service. Ou il fera son job, mais voilà. Et moi, j'avais jamais de problème avec mes fournisseurs. Ils étaient toujours là à me soutenir, quel que soit le truc, quoi. Parce que je les respectais. Je respectais autant le client qu'un fournisseur. Pour moi, il n'y avait pas de choses. La seule chose qui changeait, c'était le flux d'argent. Mais en termes de personnes, pour moi, c'était autant important un fournisseur, un client, que même un collaborateur, que mon patron, que n'importe qui. Pour moi, c'était exactement pareil. Donc, ça, c'est important aussi d'être là-dedans. Donc, fournisseurs, partenaires, actionnaires, enfin, l'ensemble des parties. Donc, le temps passe. En résumé, la première chose que vous devez faire, c'est vraiment de
calmer les esprits. Quand on est en crise, il y a du bruit, les gens sont stressés, hein, le niveau de stress a augmenté, on voit que les gens ne sont pas bien, on voit que les cabinets de psy ils sont de plus en plus augmentés, on voit les jeunes notamment, qui sont notamment les étudiants, ils ne sont pas bien. Moi, j'ai accompagné des jeunes à IE. Il y a des gens tout de suite qui me disent, mais attendez, ils me disent des choses quand même dures. Hein. Là, c'est qu'il y a une crise et ils ne sont pas bien. La première chose, c'est calmer. Tant qu'ils ne sont pas dans un état émotionnel bas, l'émotion, voilà, l'émotion, ils ne savent pas la gérer. C'est la première chose, c'est calmer les esprits. Deuxièmement, on inclut les personnes. C'est-à-dire qu'on fait une cohésion, une vraie cohésion. Souvent, moi, je sais que j'étais dans team building, il y avait les commerciaux à droite, à côté, il y avait les gens de la RH, derrière, il y avait les gens de l'usine, et puis ainsi de suite. Mais les gens ne se mélangeaient pas. Donc, c'était l'intégration, mais ce n'était pas l'inclusion. Donc, ça, c'est important de faire vraiment un brassage et qu'au moins, on utilise toutes les diversités. L'inclusion, ça sert notamment à ça. Donner du sens. Le sens, notamment, peut-être à reprendre quelque chose pour redonner un cap, donc une vision. On le voit aussi dans la reprise d'entreprise, où les gens reprennent l'entreprise et ils continuent. Alors qu'il y a eu un changement, et là, il y a quelque chose qui ne va plus. Après, mais la vision n'est pas la même. La vision de l'ancien, ou peut-être du papy qui a donné son entreprise au fils, ce travail n'a pas été fait. Donc, la vision, le sens est important. C'est un facteur très important. Travailler les valeurs et de faire un travail sur comment incarner les valeurs. Si tes travaux, ça, incarner les valeurs, c'est pas grand-chose. Ça dure, c'est un travail qui peut être fait en RCM. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire RCM, ça peut, je ne pense pas que ça veut dire Radio Monte Carlo. Non, mais dis-le, parce que je le connais peut-être sous un autre nom, Aline. Voilà. Donc, incarner les valeurs. Après, il y a vraiment communiquer avec l'authenticité et le feed-forward, c'est vraiment quelque chose quand on sait le faire. Je peux dire que c'est un outil de communication qui est super important. Lâcher le contrôle, ça c'est peut-être le plus dur parce qu'avec l'éducation, il y avait que notamment les écoles de commerce et de management, on est surtout dans le contrôle. Ça va à l'encontre. J'ai fait une école de management. Ce qui était rigolo, c'est que j'ai fait une école de management et le seul cours que j'ai pas eu, il n'y avait pas de cours de management. Voilà, je referme la parenthèse. Et aligner toute une organisation. Donc ça, c'est important d'aligner toute une organisation. Alors ça, c'est un modèle que j'ai créé tout à mes découvertes. Moi, j'étais 30 ans manager, depuis 12 ans, j'ai mon entreprise. Et donc, j'ai essayé de transposer, de voir un petit peu, parce que je ne savais pas. De management, j'ai appris un peu sur le tas. Et des fois, je faisais des choses, ça se passait super bien, mais je ne savais pas pourquoi. Puis il y a des fois des choses qui se passaient mal, mais je ne savais toujours pas pourquoi. Et donc, grâce justement à mes parcours, j'ai compris justement ce qu'on appelle les facteurs de réussite. Et j'ai beaucoup travaillé les facteurs de réussite, pas que cela, mais de la motivation. Et aujourd'hui, j'en ai fait même un modèle justement où la motivation, il y a plein de choses qui rentrent. Dans l'étude que j'ai faite notamment avec. Des managers, il y a plus de 120 aujourd'hui facteurs de la motivation. Il y en a énormément. Voilà. Et donc, c'est de dire quel est le processus justement pour motiver les gens, pour engager. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'étude Gallup de 2019, il n'y a que 6% des gens en France qui sont motivés. C'est-à-dire qu'il y en a 94 qui sont démotivés, donc qui ne s'engagent pas. Donc, comment on va faire? Donc, il y a des gains de productivité qui sont en entreprise qu'on peut utiliser. Vous faites ça et vous allez voir vos gains sans les chercher pas. Vous avez en entreprise des gains peut-être pas inépuisables, mais énormes qui sont là. Donc, ça, c'est important. Vous faites ce processus-là, vous l'avez, et vous allez voir que vous allez pouvoir tout de suite, pas pour 3 ans non plus, avoir tout de suite des résultats. Au bout d'une semaine, 15 jours, vous pouvez déjà avoir des résultats, notamment si vous travaillez les deux premières. Les deux premières, c'est calmer les esprits et inclure les personnes. Déjà, cette chose-là peut vous donner des résultats immédiats. Voilà.
redonner du sens, ça, je vous dis, entre 3 et 6 mois pour faire un travail de fond. Les valeurs, ça peut être un travail fait, peut-être même avant le sens, qui peut être fait assez rapidement, avec les valeurs LK. On peut faire des choses déjà simples et rapides. Alors, si les relations humaines vous passionnent, et que vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous propose 2 solutions. La première, c'est vous pouvez commander un ou plusieurs modules justement sur un programme que j'ai appelé le management collaboratif, hein, notamment en cas de l'esprit. J'ai un module où il y a 3 vidéos, peut-être plus, même 4. Il y en a un, c'est comment inclure les personnes. Donc là, c'est vraiment les processus qu'on a, nous, dans la facilitation, dans le coaching. Hein. J'ai mis la facilitation, le coaching, puis tout ce que j'ai mis dedans. Donc, c'est vraiment toute mon expérience. Après, comment donner du sens. Voilà. Je vous donne aussi la méthode pour vous donner du sens. Incarner les valeurs. Alors là, je pourrais faire un module. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, ce module-là. Ça me paraît tellement évident que je me suis aperçu que je ne l'ai même pas fait. Comment faire un feedback motivant? Alors celui-là, c'est quelque chose qui peut vous faire monter en compétence de manière énorme et d'être apprécié à vos équipes. Lâcher le contrôle et aligner un projet. Ça, c'est important. J'ai fait un pari. Chaque module, il y en a plusieurs vidéos, c'est-à-dire que chaque module est à 17 euros. C'est un prix que je me suis dit, je mets un prix, je ne l'ai pas mis à. C'est des modules que je mettais à 50, 60 euros. Et j'ai dit, tiens, pour ce webinaire-là, j'ai envie de le mettre quelques temps, tester, voilà, à 17 euros. Voilà, ça me permet de justement goûter quelque chose. 17 euros, c'est le prix d'un petit resto, voilà. Et si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a derrière tous mes travaux, ben, ça permet de goûter. Voilà. Puis ça permettra aussi peut-être, avec très peu de choses, de performer justement dans un domaine qui vous manque. Objet de prendre toute la formation, juste un module et voir ce qui se passe. Si vous voulez aussi aller vraiment plus loin, aujourd'hui je développe un nouveau programme qui est mis en route il y a même pas 10 jours, c'est tout nouveau. Je suis en train de vraiment écrire tous les processus en détail et pour un nouveau programme d'intelligence collective dans lequel il y aura plus de support. Il y aura vraiment plus de modèles que j'ai créés, testés, prêts à l'emploi. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que j'ai travaillées pendant plusieurs mois. Et là, je vous donnerai la recette tip-top, tout de suite. Hein? Plus d'exercices réutilisables dans le monde d'entreprise. Parce que moi, j'aime le monde d'entreprise. J'adore l'entreprise. Pour les managers, ben, c'est comme ça que je l'ai adapté. Plus de temps d'expérimentation et de pratique. Voilà, c'est-à-dire que je vais vous donner le support, voilà, vous aurez le temps de les regarder, puis on va tout de suite se mettre dans la pratique. Puis si après, vous voulez qu'on aille un petit peu plus dans la théorie, il n'y a pas de souci. Des trucs et astuces, j'adore ça. J'ai des trucs, des astuces. Voilà, j'ai plein d'idées, plein d'expériences aussi à vous partager. Voilà. Et j'ai fait une refonte complète justement de l'or. Je me suis aperçu il y a 15 jours, quand j'ai fini la précédente formation de sciences collectives que je faisais depuis 2-3 ans, et j'avais changé quelque chose qui a fait un coup de fou. Et donc là j'ai modélisé, j'ai demandé à mes stagiaires, et j'ai vu que l'ordre que j'avais changé avait décuplé quelque chose. Donc je me suis dit, je me suis posé, et donc j'ai rechangé toute cette formation qui au départ avait été un petit peu formaté avec d'autres collègues et j'ai complètement reposé tout comme un moteur. Donc, j'ai démonté les pièces, j'ai vu toutes les nouvelles pièces que j'avais, j'en ai refait un moteur plus simple, plus léger, plus performant. C'est ça que j'ai voulu faire. Par contre, dans mon programme, il y aura toujours autant de soutien et ça, c'est quelque chose, c'est qu'il y a un programme. Et si derrière, il faut que je rajoute une journée, 2 journées, ou surtout des téléconférences pour creuser quelque chose, notamment l'alignement, je peux vous dire que je mettrai tout en œuvre parce que pour moi, c'est important. Toujours autant de disponibilité, je peux vous dire que les gens peuvent m'appeler des fois le soir, ben je décroche, ou le week-end, et je décroche. Ils s'excusent, je dis non, si je décroche, c'est que je suis disponible. Donc, quand il y a notamment un crash, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'attend pas 15 jours, 3 semaines. Il y a une question, on y répond tout de suite. Pour moi, c'est important. Des possibilités d'approfondir au cas. Donc, moi, j'aime bien aussi que les gens m'apportent des cas. Ils disent, bah, Eric, tiens, là, j'ai quelque chose, comment on fait? Ben, voilà. Moi, c'est ça qui me plaît. Hein. J'ai mon expérience, mais souvent, je me dis, je veux des cas pratiques. Apportez vos cas, et puis on va les traiter. Ce sera peut-être plus intéressant.
beaucoup de temps de partage, voilà, et mon mentoring de moi, donc soit quand je vous accompagne d'une manière individuelle, quand c'est des choses personnelles, ou on va les traiter d'une manière collective quand ça peut intéresser un grand nombre. Voilà, c'est ça qui est important. Les thématiques du programme, je vais les passer vite, vous aurez le temps, vous aurez le support. Il y a un départ des interactions humaines. Après, il y a les fondamentaux de la science collective. Voilà, c'est tout le programme de Robert Diss. Hein, je suis formateur certifié Robert Diss et je fais partie du Stratégie Groupe. Voilà. Après, il y a les bases de la facilitation. C'est pas du coaching ou du coaching d'équipe, c'est la facilitation. Donc là, si vous voulez monter un cran, si vous êtes manager, vous voulez monter un cran, là, vous allez voir des choses très importantes, notamment les réunions collaboratives. Donc là, il y a plein de choses. Après, il faut expérimenter les processus et comment utiliser justement ces processus. Je peux dire, tiens, Eric, j'ai un processus que je préfère, comment on pourrait le catalyser, comment on pourrait faire, ça me plaise, là, ce genre de choses. Là, vous allez voir, il y a plein de choses. Je passe vite. Les grands outils de la science collective, là, si vous voulez vraiment animer des grands groupes ou même des petits groupes, puisque là, par exemple, je ne sais pas si je l'ai mis, Dolcit et ses variants, ça, c'est vraiment un produit comme management. Ça, c'est un super produit et qui peut, voilà, comme le codev, mais le co-développement, pardon. J'ai fait beaucoup de codev aujourd'hui, Dolcit. Surtout avec ce que j'ai apporté, est quand même encore plus puissant. Codev est puissant, mais le site aujourd'hui, avec tout ce que j'ai amené, il est vraiment hyper puissant et on va très vite. Voilà, et très bien. Et pour ceux qui sont un petit peu des consultants et puis qui veulent en faire vraiment un métier, c'est que j'aborde le côté business, parce que pour moi, c'est important. La formation, c'est OK, mais pour les consultants, c'est dans le livre. Et on va aborder le côté business, voilà, et voir comment on fait une offre, comment on reverse le processus. Donc, il y a une journée qui est consacrée sur le business. Tout cela, c'est quelque chose que j'ai testé, que je fais depuis 12 ans, donc ça, c'est important. Il y a des modèles, je vais me faire des fiches, c'est notamment le dernier feedback qui m'ont dit, je vais faire des fiches prêtes à l'emploi, hein, et un soutien inconditionnel. Ça, c'est pourtant important. Et donc, vous aurez aussi là, sur demande, les gens me demandent des coachings individuels, des coachings d'équipe, des téléconférences. Il faut qu'on me demande. Si on ne demande rien, je ne fais rien. C'est une base aussi, c'est un état d'esprit du coaching. C'est si il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'aide. Donc, je ne fais pas. Par contre, si on me demande, on me demande 10 fois, je serai là 10 fois. C'est un programme, il ne faut pas aller plus loin si vous n'êtes pas passionné par les hommes, par le groupe, par le collectif. Donc, ça, c'est important. Ça va demander beaucoup parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui est hyper puissant et après il faut de la pratique, donc il y a du travail. C'est comme toute formation, hein, on ne vient pas bien si on ne pratique pas. Si vous n'aimez pas collaborer, partager, vous remettre en question, il ne faut pas venir à cette formation-là parce que c'est une formation qui va bouger, qui va vous permettre de grandir et ça, je vous promets. Il faut venir avec un état d'esprit positif, ça c'est important. Et il faut pratiquer, expérimenter. C'est comme quand on marche la première chose, fois on tombe. Tiens, je vais vous donner le maximum de choses pour vous tomber le minimum de fois. Voilà. Les dates, il y aura 9 présentiels, minimum 4 téléconférences. Tout ce que je rajoute après, ça sera sans supplément de prix. Ça sera dans un nouvel espace. J'y suis là en ce moment. Là. Donc, ça sera ici à Lille-de-Loubet dans le 06. Mais ça sera aussi pour ceux qui sont loin. Comme là, c'est pour ça que je fais des tests, de pouvoir, on l'a fait l'autre fois, que cette formation-là pourrait être en mix, c'est-à-dire en présentiel, et en même temps, les gens qui sont un petit peu à distance, qui ne peuvent pas se déplacer pour X raisons, puissent suivre la formation à distance. Donc, ça, c'est une formation mix qui aura des gens dans la salle et peut-être des gens autre part. Mais en salle, il n'y aura que 7 personnes. Il y aura 9 jours, 69 heures minimum. C'est énorme. Le prix est de 1597. Mais pour cette première, parce que ce sera la première de cette nouvelle refonte, je vais faire un prix de lancement à 997 €. Donc pour ceux qui ont entreprise et qui ont même récupéré la TVA, ça coûtera bien moins cher. Et ça va être réservé à 7 personnes en présentiel. Je peux vous dire que là, je mets une promesse très haute et en général, je vends plus que ma promesse. C'est aussi une de mes valeurs.
Je vous ai mis mes références pour montrer que j'ai fait quand même pas mal de petites choses dans le domaine. La citation du jour, puisqu'il est déjà 19h, c'est le commencement est toujours. Et alors, le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. C'est-à-dire que le plus dur, c'est commencer. Je crois que c'est aussi une traduction d'un proverbe italien, et qui disait, quand vous avez commencé, vous avez déjà fait la moitié du chemin. C'est un proverbe, c'est Aristote qui avait dit ça, mais ce n'est pas nouveau. Et le plus dur, c'est de se commencer. Pour remotiver, il faut faire tout ça. On ne s'est pas mis dans l'action du travail, mais on a mis l'état d'esprit, on a donné du sens, on a travaillé sur les valeurs. Voilà, on a commencé à travailler juste la relation, on n'a même pas parlé du travail. Et ça, une fois que vous avez fait, moi je dis là, vous avez fait 90% du boulot. Et en général, c'est un travail qui n'est pas fait. C'est pour ça qu'il y a eu des engagements dans les équipes. Je vous l'avais promis aussi pour les gens qui viennent pour la première fois, qui n'ont peut-être pas l'habitude des webinaires, et je vous l'avais dit en présentation, ceux qui n'étaient pas là tout de suite, c'est qu'il y a une formation gratuite sur la communication, voilà, sur l'art de la communication, avec 4 formations gratuites. Un sur les bases de Jung sur la communication, vous allez voir les 3 préférences comportementales. Après, vous allez voir les 4 énergies dans la relation classique avec vos amis, vos parents, le boucher, tout. Après, vous allez avoir une vidéo qui va être spécialement sur la vente. Donc, ça, c'est plus orienté pour les commerciaux, pour les gens, par exemple, les consultants qui veulent vendre. Et après, une vidéo qui est plus orientée sur le management comportemental, comment mieux manager. Et là aussi, vous avez des leviers de motivation au niveau comportemental. Donc là, on va encore creuser plus loin et vous aurez encore des pistes pour augmenter la motivation et voir comment on va pouvoir motiver certaines énergies, justement quand ils sont en stress, quand ils sont en temps de crise. Donc 15 jours, un nouveau webinaire sur le cercle de réussite. Et vous allez voir qu'on va aller un petit peu plus loin dans le sens. On va parler du sens, on va voir comment on va aller un petit peu plus loin pour donner ce sens avec un processus qui est issu des travaux de Robert Dix. Voilà, le sac aussi, c'est Robert Dix qui nous l'a appris. Et voir un petit peu comment moi je vais vous en parler avec toutes mes expériences. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très important, sens. Voilà. Pour cela, pour ceux qui vont sur mes vidéos et tout, je demande juste de vous abonner, de liker, parce que, comme on dit, les abonnements, les likes sont le salaire des orateurs. Et moi, ça me permet aussi de voir que c'est mon travail est utile. Donc, ça me motive, on parle de motivation. Et c'est une manière de me motiver et de faire toujours plus et toujours mieux.